Assalamu alaikum. Moi, le mot, c'est en Kevesh. Dounia. Ok, Dounia. Dounia, s'il vous plaît. C'est bon, il ne veut pas répondre. Coupé. Si c'est votre mari, c'est fini. Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak. Juste, vous savez, quand on a trois matchs de préparation, le premier à 15 jours du premier rendez-vous. Comme vous le disiez, on a les idées bien en place. Donc, il y aura des petits essais de système, de joueurs par rapport à un retour tardif, par exemple, d'Hakimi, qui a célébré la victoire en Champions League, donc il débutera pas le match, ensuite dira à qui on préfère laisser encore 2-3 jours de travail plutôt athlétique plutôt que de faire un match et prendre des risques inconsidérés. Donc voilà, après, il y aura une revue d'effectifs avec des choses à voir. Vous verrez demain des interrogations qu'on se pose sur certaines choses. Et puis après les deux derniers matchs, on rentrera plus dans la préparation, autrement dit, de la compétition. C'est un sujet dont je ne me suis pas occupé, je vous le dis personnellement. Déjà parce que je pense que je ne suis pas bien placé pour m'en occuper. Et comme c'est un sujet très sensible, j'ai laissé les personnes les mieux placées que moi pour s'en occuper, pour voir ça avec les joueurs, quelles étaient les meilleures choses à faire, pour qu'ils soient bien sûr le mieux, et spirituellement, et physiquement, et mentalement, le 15 juin. Voilà, donc c'est pas pour zapper la question, c'est simplement pour vous dire que délibérément, j'ai pas voulu m'en occuper parce que ça peut être un sujet sensible. C'est un sujet très sensible, surtout quand vous n'êtes pas concerné spécialement par ce sujet. C'était le soir de l'Aïd à Rabat. Le stade était plein et depuis cette date où on a réussi, où les joueurs ont réussi un match exceptionnel, je pense qu'il y a, une prise de conscience qui a été faite de la part des joueurs aussi, par le soutien du public, et comme on a enchaîné les bonnes performances, ils ont continué à nous soutenir. Je pense que certains dans ce groupe ont vécu des années un petit peu plus difficiles, on va dire, parce que c'est jamais facile pour des joueurs de ne pas avoir le soutien populaire. Je pense pas qu'ils le font pas exprès. Bah déjà, il y a une rigueur, une discipline à respecter. Je pense qu'on se dit les choses franchement. Moi, j'aime bien, c'est un peu ma culture qui veut ça, et comme je suis né pas loin d'ici, je suis savoyard, j'ai un caractère assez difficile, on va dire, assez dur. J'ai pas peur de regarder les gens droit dans les yeux et de leur dire la vérité. Ça plaît, des fois, ça plaît un peu moins, mais au final, toutes mes appréciations, tous mes messages ne sont basés que sur une seule chose, c'est sur le collectif. Vous savez qu'on va souffrir de temps en temps, même souvent. Et si on n'est pas prêt à souffrir, on ne réussira pas de grandes choses. Donc il faut se préparer à souffrir, il faut se préparer à être solidaire, à passer des moments un petit peu moins faciles que ce qu'on a passé ces derniers temps, mais ça fait partie du football et au final, il va falloir se qualifier pour le deuxième tour. J'ai une thèse un peu, c'est une phrase, c'est « protégez-vous vous-même et vous nous protégerez ».